حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد خذ بقلبي للرشاد. Restez bien concentrés les filles, cette sélection Brentini, j'ai pas les mots. Voilà, c'est clair, je viens de faire des essayages et je sais ce qui vous attend, donc on commence avec cette robe. Vous pouvez très bien la porter avec la ceinture ou sans, comme je suis en train de vous montrer. Ensuite, cet ensemble, alors c'est un 3 pièces, je vais vous mettre le gilet juste après, donc hyper confortable. Dispo en plusieurs couleurs, très extensible au niveau du pantalon. Vous voyez, un ensemble cocooning pour chiller, j'ai envie qu'il pleuve. Bref, ensuite, j'ai pris ce manteau en cuir, moumoute à l'intérieur qui tient bien chaud. Vraiment, il tient super chaud. Là, je vous montre fermé. Canon. Trop de charisme, cette veste, je trouve. La pépite. Alors là, c'est mon coup de cœur de ma sélection. Donc, ce manteau long, tout en moumoute à l'intérieur. La qualité, elle est extra. Il est un petit peu lourd. Je vous cache pas, les filles, d'où sa qualité. Vraiment magnifique. Là, je vous montre fermé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. Après, j'ai pris cette petite veste toute douce. Donc, la matière ne gratte absolument pas. En gris. Trop pratique, trop joli, parfait. Enfin, j'aime trop. J'ai claqué ça avec ma paire de claquettes. Bon, vous, s'il fait pas beau, vous mettrez ça avec une paire de baskets. Mais voilà, tout doux, trop agréable et trop confort. Et on finit avec ce jean. J'adore la coupe. Je l'ai pris en plusieurs couleurs. Je l'ai pris en noir et en bleu, comme ça. Je vous posterai cette story ce soir, mais en réalité elle aurait été tournée ce matin, avant que j'aille faire ma journée. Donc là, je m'applique le masque Sweet Nabody, on y va sur mes cernes. Je vous l'ai partagé il y a quoi, une semaine, et vous avez été trop nombreuses, en fait on est trop à avoir des problèmes de cernes. Je pensais pas autant, mais on est vraiment nombreuses. Après il y en a qui ont des cernes marquées. Enfin, quand je dis marqué, c'est genre avec des ridules. Il y en a qui ont des cernes comme moi, brunes. Moi, mon problème, c'est parce que j'ai des cernes brunes. Et plus j'utilise ça, donc le Nila, les filles, la gamme Sweet Nabody à base de Nila, qui est un minéral naturel qui vient des montagnes rocheuses du Maroc. Pour celles qui n'ont pas suivi, c'est vraiment un truc ancestral. Hein, c'est le secret de beauté des femmes du Sahara. Tout en appliqué à Nueton, je vous montre, les filles. Ça, c'est là où, tous les jours, je m'applique mon anti-cernes pour me faire mon contouring. Tu vois, tu peux te l'appliquer comme ça. D'ailleurs, je pense que je vais commencer à faire ça. Parce que c'est trop bien. J'ai vu plein de filles qui le faisaient avec ce produit-là et ça marche trop, trop bien. Ça te fait du coup un contouring naturel. Ça va m'éclaircir toute cette zone. Tac, cerne, là. Mais bon, là, je l'ai appliqué sur mes cernes. Pas pour éclaircir toute ma base de cernes. Simplement, comme je vous l'ai dit, j'ai des taches brunes. Voilà, celle-ci, elle est comme ça. Et là, j'ai vraiment comme une... comme une trace de doigt brune, bref, que j'essaye de faire disparaître. Donc ça, c'est magique, les filles. Si tu as une tache de grossesse, masque de grossesse, ça part trop bien. Il faut être un petit
peu, comment dire, faut avoir de la patience, parce que quand vous allez faire la première utilisation, vous allez immédiatement, j'ai une tête, vous allez immédiatement voir que ça a un petit peu éclairci. Un petit peu éclairci les filles, il faut vraiment de la patience. Et plus vous allez l'utiliser, c'est une fois par semaine, 20 à 30 minutes, moi je mets 25 minutes, vous laissez poser. Et c'est hyper bien, donc masque de grossesse, zone sombre. Je sais que moi, du au rasage fréquent, j'ai ces petites zones sombres juste ici. Il y a des filles qui ont les coudes en zone sombre et que ça dérange. Donc pareil, vous appliquez, bon moi là j'en ai pas besoin, je le fais pour vous montrer. Mais voilà, vous appliquez un peu de masque, vous laissez poser. Tu peux l'appliquer aussi sur les parties intimes, enfin vraiment partout sur le corps, sur le visage, là où tu as besoin. Et c'est incroyable, c'est éclaircissant. Ça enlève toutes les taches, les zones sombres, comme je vous l'ai dit. C'est un effet anti-âge, donc même si tu as des petites ridules, à force de l'appliquer, le Nila, il a un vrai pouvoir anti-âge sur ton visage. Enfin bref, c'est ça. C'est un truc qu'on doit tout avoir, les filles. Une fois que tu as laissé poser 20-25 minutes, tu vas venir retirer avec de l'eau. Hein. Moi, c'est parce que je kiffe le faire avec cette petite éponge. Hop. Je vais vous montrer donc mes taches brunes. Beaucoup plus atténuées qu'il y a peut-être un mois, deux mois. Je sais pas si vous voyez là. Franchement, c'est très atténué. Ça fait comme. Vous voyez là, mon doigt, je le retire. La tache brune, moi, elle est comme ça. Et elle a vachement. Elle s'est vachement atténuée. Et là, ça n'a rien à voir. C'est bizarre hein, parce que j'ai ces deux taches là. Là, on le voit. Vous voyez, c'est dans la longueur comme ça là. De ce côté là. Et donc, bah. Plus tu vas utiliser les produits à base de Nila, et plus tu vas avoir toutes tes marques brunes, toutes tes cernes, vous voyez, on le voit là.